C'est bon, c'est parti. Très bien, eh bien, nous accueillons maintenant Christophe qui va vous parler d'un sujet. Voilà, donc bonjour à tous, merci d'être là. Donc je suis très content d'être là moi aussi et je remercie l'organisation. Donc moi je m'appelle Christophe Benz, je travaille pour le projet OpenFISCA. Donc je vais vous parler comment est-ce qu'on écrit la loi en Python depuis 2011 à peu près. Donc un truc à savoir, c'est que je suis développeur Python. J'y connais rien en législation fiscale a priori. Mais c'est pas grave, ça n'empêche pas pour travailler sur un projet comme celui-là. Donc déjà, de quelle loi est-ce qu'il s'agit ? On va pas parler des lois des criminels et tout ça, hein. On va parler des lois fiscales, sociales. Donc ça veut dire les impôts, les aides sociales, le monde de l'entreprise, les retraites, enfin tout ce qui structure une société. Et on parle souvent de redistribution des richesses entre les riches et les pauvres. Et donc c'est vrai que c'est un truc qui m'intéressait pas spécialement il y a quelques années. Mais maintenant, je m'aperçois que c'est vachement important de l'avoir en logiciel libre, notamment. Voilà, donc pourquoi on fait de la loi en Python ? C'est quoi le but ? Donc, c'est à cause des polémiques, notamment. Parce que souvent, quand on regarde la presse, on s'aperçoit que les députés, les politiques, les journalistes, vont donner leur avis sur quelque chose. Bon, là, il y a un exemple flagrant, c'était il y a quelques années, comme quoi, je parle conditionnel, hein, les gens qui touchent le RSA gagneraient moins que les gens qui travaillent et qui touchent le SMIC. Donc, ça a pas mal énervé la personne qui a inventé le RSA. Donc, le RSA, c'est le revenu minimum social. Donc, il s'est dit, mais c'est n'importe quoi, vous pouvez pas dire ça, moi, je refais mes calculs. Puis bon, finalement, il y a d'autres présentateurs, journalistes qui ont dit non, c'est faux, c'est encore autre chose. Bon, on n'en comprend rien et on se dit, mais en fait, pourquoi, une fois pour toutes, on ne prend pas la loi et on ne la met pas en code source, on calcule les choses de façon tangible et puis on n'en parle plus. Si jamais c'est faux, on fait un patch et puis voilà. Donc ça, c'était en 2011 où typiquement la situation n'est pas terrible en termes de logiciels libres puisqu'on a plusieurs calculateurs, donc des logiciels qui font des calculs sur la loi. Parce qu'en fait, il en existe, hein, mais ils sont dans les administrations, ils sont dans la culture du logiciel propriétaire. Et quand on est un citoyen, on sait très bien qu'on doit se balader d'un site à l'autre pour faire ses démarches sur le site de la CAF, sur le site de l'INSEE. Puis on ressaisit les mêmes informations. Et puis quand on est économiste, c'est encore pire parce qu'on en a besoin pour son travail de voir ce qui se passe quand on change la loi. Qu'est-ce qui se passe si je change le taux d'imposition? Qu'est-ce qui se passe sur la population concrètement? On n'a pas les codes sources, on ne sait pas, donc on est coincé. Donc c'est pas, voilà, c'est pour ça que je dis que c'est pas terrible. Du coup, on peut se battre pour ouvrir ces codes sources, hein. Il y a des gens qui l'ont fait et qui ont réussi pour un calculateur emblématique. J'en parlerai après, mais c'est le calculateur des impôts. Mais en parallèle, il y a eu OpenFISCA. Donc ça, c'est une solution différente, c'est de faire quelque chose en dehors de l'État. Et en logiciel libre, communautaire, l'idée c'était, puisqu'on n'a pas accès à ces choses-là, on va les réécrire from scratch, donc en Python, qui est un choix très sympathique, donc en logiciel libre, avec une bonne performance, et puis j'ai mis pédagogie, c'est aussi pour dire que ça ne suffit pas de calculer, il faut aussi que cette couche-là de la législation transformée en code ait une vertu de base de documentation, c'est-à-dire qu'on puisse naviguer dans la loi plus facilement que dans des gros bouquins ou des sites comme Légifrance, qui est par ailleurs très bien fait, mais qui présente la loi sous forme qu'un juriste sait comprendre. Et quand on est geek, c'est vachement mieux de lire la loi sous forme de fonction qui retourne un résultat. Sachant que souvent, c'est pas très compliqué. C'est des additions, des multiplications, des taux, des choses comme ça. Hein. Donc si on peut avoir en plus une interface web qui permet de naviguer dedans, c'est vachement plus simple. Voilà. Donc...
Déjà, on parle beaucoup de calculateur, simulateur. En termes de vocabulaire, c'est pareil, hein. Un calculateur, c'est un logiciel qui prend en entrée une situation. Donc, vous, votre famille, votre salaire, le loyer, enfin voilà. Et puis qui passe à travers tout un ensemble de formules, de calculs, des fonctions. On peut parler aussi de règles, hein. Il y a la terminologie moteur de règles et tout ça qu'on n'emploie pas trop dans OpenFISCA, mais c'est un peu similaire. Et ça fournit en sortie le résultat attendu. Donc si on a demandé à calculer les allocations familiales, ça nous les renvoie. Si on a demandé à calculer l'impôt sur le revenu, ça le calcule. Alors bon, toute la question, c'est toutes ces formules, toutes ces fonctions, il faut les écrire, il faut bien que quelqu'un les suive dans les textes de loi. Et puis c'est énormément de boulot. Donc c'est un projet ambitieux, c'est un projet dans lequel il y a plusieurs types de métiers. Donc des informaticiens, des développeurs, des économistes, parfois des juristes. Et donc tous les métiers, ils ont chacun cette petite facette un peu geek qui veut de faire les choses autrement. Et puis se complètent très très bien. Ça c'est vraiment agréable de marier les compétences. Nous, on suit des sites comme Reddit, Hacker News, on se tient au courant des librairies. Les économistes, eux, ils suivent la loi, ils la comprennent et ils savent ce qui se passe quand un projet de loi est voté. Ils savent ce qu'il faut mettre à jour dans le code source aussi. Donc, on part des textes de loi, on en fait des structures donc en code, on peut en extraire des structures de données. Par exemple, là, c'est une petite illustration. Où chaque point représente des formules uniquement dans la sphère des impôts. Chaque point représente une formule de calcul, chaque trait représente un appel de fonction entre une formule et une autre, et une dépendance, quoi. Et puis on voit apparaître des petites grappes, donc c'est des sous-ensembles, par exemple les crédits d'impôt, ou bien les. Bon, là, j'ai bien évidemment pas rentrer dans le détail, mais c'est pour donner l'impression qu'on peut déjà appréhender un peu mieux cette complexité-là, que quand on est en full texte, avoir une représentation visuelle, c'est déjà plus simple à appréhender. Du coup, pourquoi une dernière approche du projet, c'est pourquoi modéliser? C'est quand même. On pourrait se dire souvent, c'est trop compliqué, on balance tout, on recommence, voilà. C'est sûr qu'on peut dire ça, mais c'est pas forcément très très avisé parce que on n'a pas idée des impacts exactement de nos changements. Donc l'idée d'OpenFISCA, c'est de mesurer très précisément ce qui va se passer si on change quelque chose, parce que là la réalité et la loi sont complexes parce que c'est comme ça, c'est l'historique, c'est le passé, et si on simplifie trop rapidement, voilà, comme je viens de le dire. C'est pas très malin. Donc, prenons le temps de bien comprendre l'existant. Voilà. Donc, un peu concret. Un peu de concret, un peu de code. Évidemment, simplifié, parce que vous allez bien vous apercevoir que c'est caricatural. Donc, l'impôt, c'est le salaire fois 0,3. 30% du salaire, vous le payez, on n'en parle plus, et vous avez payé vos impôts. Voilà, donc c'est une fonction toute simple. Après, on va faire les allocations familiales. Les allocations familiales, c'est enfin familiales ou pas, peu importe, c'est des allocations. Si vous touchez moins de 10 000 euros par an, vous avez droit à 1 000 euros, une expression ternaire, sinon zéro. Bon. Et le revenu disponible, qui est une métrique assez utilisée en économie, c'est-à-dire à quoi j'ai droit à la fin de l'année, une fois que j'ai reçu mon salaire, que j'ai payé mes impôts, et puis j'ai reçu mes allocations. Donc ça me fait mon revenu disponible, c'est une fonction toute bête. Alors bon, je pense que tout le monde a compris l'exercice. OpenFISCA, c'est un tout petit peu plus complexe, parce qu'on va gérer ce qu'on appelle des entités, c'est-à-dire que la loi ne regroupe pas les personnes de la même façon que quand on parle des impôts, on parle de foyers fiscaux. Quand on parle des allocations familiales, on parle de famille au sens CAF. Quand on parle, bon, il y a plusieurs manières de regrouper les personnes. On peut vouloir connaître le salaire d'il y a 1 an, d'il y a 2 ans, d'il y a 3 mois. Donc il y a des choses,
plus complexe dans OpenFISCA, mais l'idée c'était vraiment ce que je vous ai montré précédemment. Alors, une fois qu'on a ces codes sources, enfin ces fonctions, on peut tout de suite faire des choses comme des visualisations, où là on retrouve sur toutes ces colonnes des choses qui jusqu'à présent étaient éparpillées dans plein de calculateurs différents qui ne se connaissaient pas, qui ne se parlaient pas. Et c'est un peu la première fois qu'on peut voir la timeline, j'allais dire, d'un salarié où on commence par le coût du travail. On voit qu'il y a des allègements sur les bas salaires proposés par certaines dispositions de la loi, donc les trois premières colonnes. Ensuite, en rouge, on voit des charges patronales et salariales. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà créé une entreprise, mais bon, vous devez reconnaître les notions. Et puis après, on voit que la personne tout à droite, elle touche le RSA et l'aide exceptionnelle de fin d'année qu'on surnomme la prime de Noël. Et à la fin, il reste le revenu disponible, voilà, qui dans ce cas-là est à peu près égal au coût du travail. Mais alors, si on ajoutait des enfants, on pourrait voir apparaître des colonnes qui montreraient les allocations familiales et d'autres choses. Donc, on a sur une vision 360 degrés la situation d'une personne. On peut faire des trucs un peu plus scientifiques, par exemple des graphiques qui comparent les situations célibataires et les situations mariées. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails, mais là, il y a beaucoup d'économistes dans notre communauté qui travaillent sur des Python Notebook ou Jupyter Notebook à présent. Donc, ça, c'est très sympa d'imaginer qu'on peut écrire des articles de recherche ou des études d'impact quand on est un conseiller au gouvernement voilà, qui veut étudier ce qui se passe lors d'une réforme politique. Ben, j'utilise un notebook, j'utilise OpenFISCA. Et j'instrumentalise, je crée des graphes, et ensuite je permets aux citoyens, dans un monde peut-être futur, je permets aux citoyens d'avoir accès à 100% de la démarche de l'étude et de la rejouer lui-même sur sa machine et d'avoir éventuellement une approche de contribution, de correction et qu'on sorte un peu de la polémique justement. Là, c'est une carte de chaleur qui a été faite en dehors d'OpenFISCA. Donc, OpenFISCA, on peut le voir comme une librairie. C'est une couche de représentation de la loi qui n'a pas d'interface graphique, qui a pas, on l'appelle et on a les résultats numériques. Et ensuite, on en fait ce qu'on veut. Donc, là, il y a un économiste qui a tracé une carte de chaleur en fonction des revenus, quelle est la taxation. Bon. Du coup, ben. On a deux types d'utilisateurs principaux, les particuliers et les économistes. Les particuliers, comme vous et moi, peuvent avoir envie de savoir, faire des prévisions sur leur situation à eux, personnelle, avec leur famille éventuellement. Et puis les économistes, eux, ce qui les intéresse, c'est de simuler une population entière, de faire un calcul sur la France entière, avec bien sûr des fichiers de données à la base, puisque. Les bases de données de la population existent, mais sont pas toujours accessibles non, elles sont jamais accessibles. Pour les gens comme OpenFISCA, qui est un logiciel libre, il faut être soit chercheur ou faire partie de l'administration. Donc les particuliers, en revanche, comme il n'y a pas besoin de base de données en amont, c'est nous-mêmes qui rentrons notre situation. On peut créer des produits comme, donc je vais les énumérer avec des captures d'écran. Donc le premier, c'est mesaide.gouv.fr, qui est un site qui a été créé dans ce qu'on appelle l'incubateur des services numériques de l'État. Donc c'est une administration qui fonctionne en mode start-up, qui a utilisé OpenFISCA pour créer un site web qui permet, comme la catchphrase l'indique, de simuler toutes vos aides en à peu près 10 minutes. Vous rentrez votre situation et vous pouvez voir si vous avez droit au RSA, aux allocations, ceci, cela. Donc ça utilise une application web, Angular, peu importe. Et à la fin, il y a un appel à l'API web d'OpenFISCA qui est fait. Et les résultats sont envoyés, affichés. Voilà, donc OpenFISCA peut être vu comme un web service aussi. Le simulateur de l'embauche d'un nouveau salarié, c'est une interface, une UI assez sobre, où c'est juste une phrase à trous. Donc on complète
mon entreprise, de tant de salariés, souhaite embaucher quelqu'un à tel prix. Donc ça, c'est le casse-tête number one pour les chefs d'entreprise. Combien va me coûter le nouveau salarié si c'est un stagiaire, si c'est un apprenti ou un CDD ou un CDI? Qu'est-ce que je vais payer comme charge? Donc là, en quelques clics, il peut utiliser la puissance d'OpenFISCA pour avoir la réponse tout en bas. Mon salarié touchera tant et